Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, shalom à toi, porteur de grâce. Nous sommes réunis en ce matin dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une joie de nous retrouver en ce matin, lundi, premier jour de la semaine. Ce matin où notre Seigneur encore vient nous réveiller. Là où beaucoup, certainement, n'ont pas ce privilège, cette grâce. À toi, il te donne ce privilège. Il te donne en ce matin de pouvoir te tenir debout. Alors il convient que nous puissions unir nos voix à celles des anges et des saints, afin qu'ils puissent porter nos prières au devant du trône de Dieu, afin qu'il y agrée. Que nous puissions avec eux rendre grâce à ce Dieu merveilleux qui renouvelle ses bontés chaque jour dans nos vies. Et en ce matin, éternel Dieu, éternel Roi, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te disons merci de nous avoir réveillés en ce matin. Nous te disons merci pour cette nuit que tu nous as donnée. Nous te disons merci pour le souffle de vie que tu viens renouveler encore en chacun de nous. Merci pour ta main posée sur chacun de nous. Pour nos maisons qui se réveillent en ce matin. Pour nos foyers, pour nos familles, pour nos nations, nous te disons merci. Merci, car toi seul mérites notre action de grâce. Toi seul es digne de recevoir nos louanges et nos adorations. Et en ce matin, nous te prions encore d'y agréer. En ce matin, lundi, et pour cette nouvelle semaine que tu nous donnes, Seigneur, donne-nous de véritablement la vivre avec toi dans la foi. En cette nouvelle semaine, Seigneur, que tu viennes encore dire un mot dans chacune de nos vies. Dire un mot pour que nous puissions vivre véritablement en symbiose, en communion avec toi. Que tu puisses encore tout au long de cette semaine dire un mot au sein de nos familles divisées. Dire un mot au sein de nos différents lieux de travail. Que tu puisses encore dire un mot dans la vie de nos enfants, de nos époux, de nos épouses. Que tu puisses dire un mot dans nos différentes nations. Seigneur, dis un mot. Ma vie va changer.
Jésus, un simple mot dans ma vie. Tu dis un mot, Jésus, un simple mot dans ma vie. Tu dis un mot, Jésus, un simple mot dans ma vie. Tu dis un mot, Jésus, un simple mot dans ma vie. Tu le veux, Jésus, je chante, car tu le peux, Yahweh, je chante. Oui, tu le peux, Jésus, et j'y crois. Un simple mot dans ma vie, en ce matin et tout au long de cette semaine, et cette ferme conviction que quelque chose sera touché dans ta vie, qu'il y aura un impact dans ta vie, que ce soit en cette journée, que ce soit tout au long de la semaine, que ce soit même dans un mois, garde foi, ne désespère pas, ne te décourage pas, ne laisse pas la peur, ne laisse pas l'angoisse prendre le dessus sur toi, mais laisse tout simplement la foi te mener là où il faut. Dans les vignes, dans les délices de notre Seigneur. Je crois en cela. Jésus, tu dis un mot dans ma vie. Jésus, tu dis un mot dans leur vie. Jésus, alors c'est dans cette mouvance, dans cette atmosphère que je te souhaite à toi, bien-aimé, porteur de grâce, de passer une excellente et sainte journée. Et nous avons ainsi prié dans le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Journée et semaine bénie à toi.